Les amis, juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à remercier iMixFoot, le partenaire de la chaîne YouTube et qui aussi sponsorise cette vidéo. iMixFoot, c'est tout simplement un site qui vend des maillots de foot tels que le Barça, celui du Real, celui du PSG. Bref, il y a tous les maillots à bas prix. En plus, les frérots, écoutez bien, vous avez 15% de réduction avec le code BC. Donc n'hésitez pas à profiter. Première ligne de description. Maintenant, on va passer à la vidéo. C'est parti. Les gars, c'est Barsatil, j'espère que vous allez bien. Moi, ça super aujourd'hui, bien sûr. Comme d'habitude, on se retrouve pour une vidéo actualité. Alors aujourd'hui, ça va parler qu'un seul cas. Bon, je pense que vous avez tout capté, vous avez tout cramé dans le titre. Mais vous allez voir vraiment une vidéo assez intéressante parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'informations sur ce sujet. Donc, du coup, vous allez voir, ça va être plutôt intéressant. Juste avant, comme d'habitude, qu'on passe aux informations très importantes, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et surtout l'abonnement parce qu'on se rapproche. On se rapproche vraiment des 10 000 abonnés. Vraiment, je pense que la semaine prochaine, si vous êtes chaud, on est 10 000. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous abonner. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais fermer ma bouche. On passe à l'intro et tout simplement aux informations. Allez, c'est parti. Les frérots, on va pas se mentir, il y a eu la clim à Madrid pour Mbappé, il y a eu la clim à Paris pour Zinedine Zidane, et aujourd'hui on apprend qu'il y a une clim à Chelsea, à Londres. Il s'avère qu'il neige parce que, voilà, soi-disant Dembélé devait peut-être rejoindre Chelsea et même PSG, pour vous dire que ça se rejoint les deux villes, voilà, la clim, le froid. J'aimerais pas être, eh ben du coup, Dembélé sur le point de prolonger au FC Barcelone. Alors, je dis ça avec beaucoup d'humour, ça veut pas dire que je suis vraiment pour, parce que vraiment, vous m'aurez donné le choix entre Rafinha et Dembélé. Niveau moral, je t'aurais choisi Rafinha, parce que Dembélé, ça m'a vraiment déçu le fait qu'il n'ait pas prolongé. Du coup, puisque son agent Moussa Dembélé a vu qu'aucun club s'intéressait à Ousmane Dembélé, ben tout simplement, il pourrait se retourner vers le Barça, parce que forcément, il n'y a que le Barça qui a fait une offre, une vraie offre pour Dembélé, alors que c'est la même depuis décembre, hein, pour savoir que l'offre n'a pas bougé. Et du coup, ben, puisque personne veut Dembélé, puisque l'agent Moussa, oui, je l'ai dit hier, demandait énormément de sous, eh ben Dembélé devrait reprolonger à Barcelone. Alors moi, je vais être honnête avec vous, comme j'ai dit, c'est cool, mais en vrai, c'est bien, mais je vous mens pas, je suis vraiment, on va pas dire vexé, mais t'as capté quoi, j'ai un peu les boules. Je pense vraiment que s'il doit vraiment se rattraper, qu'il se doit... Je disais, s'il doit vraiment se rattraper, il faudrait vraiment qu'il s'excuse et qu'il signe le contrat, ou tu vois, qu'il fasse un beau truc. Parce que si il prolonge sans même pas s'excuser, franchement, pour moi, c'est un manque de respect. Pour moi, ça veut dire qu'il a prolongé parce qu'il avait que ça à faire, tu vois. Ça sera pas prolongé pour prolonger, tu vois. Autant qu'il fasse un discours, je suis fier de prolonger, patata. Même si c'est du mytho, au moins qu'il fasse ce genre. Parce que franchement, le fait qu'il a pas voulu prolonger plusieurs fois au Barça, alors que le Barça sait que c'est un mec important sur le projet, je te montre pas que ça m'a foutu les boules. Donc du coup, j'espère un petit geste de sa part. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui, aussi, il y a eu une nouvelle qui est sortie concernant Rafinha. Car pour moi, je vous mens pas, que le Barça va faire son choix. Tu vas leur donner le choix de Rafinha et Dembélé. Ils vont choisir Dembélé parce que Rafinha, écoutez bien, Leeds demanderait 65 millions d'euros pour Rafinha, ce que je trouve assez énorme. Après, on peut penser au Anthony, au petit Anthony de l'Ajax, mais honnêtement, je pense que vraiment, pour l'instant, ce qui est le plus crédible, c'est vraiment une prolongation de Dembélé au FC Barcelone. Du coup, les amis, puisque Dembélé à prolonger, n'hésitez pas à me dire, bon, pas prolonger, bon, c'est pas officiel, mais c'est quasi officiel, n'hésitez pas à me dire si vous êtes content ou si vous êtes dégoûté, même si je sais que j'ai l'impression de vous poser tous les jours la même question, mais n'hésitez pas à répondre, parce que tous les jours, il y a des nouveaux avis, donc du coup, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et on se retrouve, bien sûr, demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!